Hé, José, regarde ce que nous avons ici. Je les ai prises rien que pour toi. C'est super, des carottes. J'adore ça. Oh non, ce sont mes carottes. Rends-les-moi, petit lapin. Hé, hé, les amis, il faut partager. J'ai une idée. Organisons un gymkhana et le gagnant pourra avoir toutes les carottes. Un gymkhana? Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, José. Waouh, ça a l'air amusant. Le premier défi sera une course de sacs de pommes de terre. Le premier arrivé gagne. 3, 2, 1... C'est parti! Félicitations, 1-0 pour le lapin. Ce n'est pas juste. Il a des pieds de lapin et moi j'ai des pieds de José. Calme-toi, José. Il y aura d'autres défis. Le deuxième défi est de manger ces fraises géantes le plus vite possible. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Mangez! Bien joué, José. Vous êtes ex-aequo. Le défi final sera le tir à la corde. C'est parti! Félicitations, José. Tu es le grand gagnant. Super! Je veux mon trophée. Non, non, non. J'ai gagné. Elles sont toutes à moi. Allez, à table. Qu'est-ce qu'il y a, José? Lapin, attends! Si tu veux, nous pouvons partager les carottes. C'est très bien, José. Partager est bien plus amusant. J'ai tellement envie d'un sandwich au fromage. Oh non, il n'y a pas de fromage. Je voulais juste un grand et délicieux fromage. Oh, José, on pourra faire du fromage un autre jour. Regarde, j'ai trouvé de la gelée. Bien, ça devrait marcher. Je vais me coucher. J'espère que je vais rêver d'un sandwich au fromage. Waouh, regarde la lune, c'est magnifique. On dirait une boule de fromage géante. J'aimerais bien la goûter. José, pourquoi ne pas construire un vaisseau spatial pour pouvoir y aller? Un vaisseau? Super idée! C'est exactement ce que je veux faire. Cinq, quatre, trois, deux, un. Bon voyage, José! Boule de fromage géante, j'arrive!
Waouh, regarde la lune, ou devrais-je dire la boule de fromage géante. Oh mon Dieu, des météorites! Oh mon Dieu! Suis-je arrivé? Génial, j'y suis! C'est drôle, ça ne ressemble pas à du fromage de près. Qu'est-ce que c'est? Un monstre martien? Je ne suis pas sur la Lune, mais sur Mars! Détends-toi, extraterrestre, je viens en paix. Je voulais juste manger un morceau de Lune. Mars n'a pas l'air aussi savoureux. Oh non, c'est la fin! Pouf, ça a marché! Je vais sur la Lune maintenant! Au revoir, extraterrestre! Waouh! Un petit pas pour moi, un pas de géant pour mon ventre. C'est l'heure de manger. Reviens ici, balle de fromage géante. C'est délicieux. La lune est vraiment délicieuse. José, José, réveille-toi. Tu as fait un cauchemar. Tout va bien. C'était vraiment un cauchemar. Maintenant, j'ai encore plus envie de manger du fromage. Attends une minute, José. Je veux te montrer ce que j'ai trouvé. Tadam! Génial! Du fromage! J'en ai tellement rêvé! C'est délicieux! José, qu'est-ce que tu fais? Je plante des carottes pour faire un gâteau de carottes délicieux. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à cultiver. Sois patient. Chaque petite plante a besoin de temps pour pousser. Qu'est-ce qui ne va pas, José? Il y a quelque chose ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! C'est un coffre! C'est peut-être un trésor? Un trésor? Les bonbons les plus délicieux du monde? Découvrons ce que c'est. Oh non! Il ne s'ouvre pas! Emmenons-le à l'intérieur pour essayer de l'ouvrir. C'est génial! Ça a marché! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un trésor?
C'est juste un carnet et un crayon. Un carnet de vœux. Votre vœu se réalisera. Vous avez droit à 3 vœux à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Je n'ai plus besoin d'attendre que les carottes finissent de pousser pour pouvoir faire mon gâteau. José, le carnet dit que tu ne dois l'utiliser qu'en cas d'urgence. Le gâteau à la carotte est une urgence. Je vais dessiner mon vœu, puis ranger mon carnet quelque part. Waouh! C'est mon gâteau à la carotte. Il est exactement comme mon dessin. Et il a le goût de... Rien du tout. C'est étrange. Laisse-moi goûter. Burke, le carnet s'est trompé. Il a fait un beau gâteau tout comme ton dessin. Mais il a oublié le goût. Je pense que ce serait mieux si tu faisais ton propre gâteau, José. Tu as raison. Personne ne mérite un gâteau qui n'a aucun goût. Voilà pourquoi je vais le dessiner ici. Le dessiner? Je pensais que tu allais attendre que les carottes poussent. Oui, je vais attendre qu'elles poussent, mais pas longtemps. Tada! Et maintenant, où sont les carottes? Qu'est-ce que c'est? José, ce ne sont pas des carottes. Ce sont des méga-carottes. Le carnet n'a pas compris ce que je voulais. Maintenant, j'ai des carottes pour le reste de ma vie. Laisse-moi faire. José, les carottes vont faire tomber la maison. C'est une catastrophe. Je voulais juste un gâteau à la carotte, mais à la place, j'ai eu une maison avec des carottes géantes. Il faut se dépêcher. Il faut les faire sortir. Je savais que quelque chose clochait dans ce carnet. Il faut effacer tes vœux. Effacer mes vœux? Je sais. Qu'est-ce que tu as dessiné, José? Et si ça empire les choses? Une gomme? J'espère que ça va marcher. José, ça a marché! Est-ce qu'il reste des carottes? Super! Ça valait le coup d'attendre! Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse. Tu vas voir. Bien sûr que oui. Je suis sûr que ma carotte sera la plus grosse, pas la tienne. Hey, ça suffit, vous deux. Es-tu confiant? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre. Je vais gagner. Hey, Obi! C'est bien. Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau. Oups!
Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais. Mais juste un petit peu, d'accord? Carotte, dépêche-toi et grandis! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé. Allez, les amis, il se fait tard. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. C'est l'heure d'aller voir ma carotte. Oh, ma carotte, elle est sûrement énorme maintenant. José, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi? Comment a-t-il gagné? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, José. Il est temps de les récolter. Regarde, en fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, José. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est? C'est l'engrais. Obi, est-ce que tu as triché? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. José, regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord? Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, José. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Waouh, c'est incroyable! Et voici ce que j'ai apporté pour nous. Tadam! Waouh! Je vais le laisser ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel.
Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, José. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde, en voilà une. Waouh, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, José, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non! Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre 1000 années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça, la pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. La pluie de météores! José, José, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est maintenant! Quoi? La pluie de météores? Hein? Oh non, c'est presque fini! Fais un vœu, José. Qu'as-tu fait comme vœu? Tada! José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial! J'adore les histoires. Faisons ça. Hein? As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillée. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles.
Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué. Très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José.